Bonjour David Hallyday. Comment allez-vous? Ça va et vous? Un petit chat? Ouais, une petite grippouze. Saisonnière, voilà. C'est ce que j'allais vous dire. En même temps, c'est un petit peu de saison. Merci de passer chez nous pour parler avec de votre plaisir. Album, de votre tournée qui va. Alors, il y a plein de dates dans la région. Je vais déjà les annoncer. Vous serez au Touquet le 4 mai, le 11 à Saint-Angoël, le 12 à Péronne, le 15 juin à Saint-Quentin, le 27 juillet à Saint-Étienne-au-Mont. Puis vous reviendrez? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Bon, on va parler de votre tournée dans quelques instants, mais d'abord. Évidemment, on s'intéresse à cet album. Quand vous l'avez sorti, parce que là, vous êtes en pleine tournée promotion depuis quelques semaines, vous étiez dans quel état d'esprit? Stressé? Confiant? Confiant, non, pas vraiment, non. On va dire libéré un peu, parce que c'est de toute manière le simple fait de composer, de mettre en face de soi-même dans un studio tout seul, déjà, il y a une espèce de côté libérateur, un peu thérapeutique aussi, déjà. Mais c'est vrai que la grosse différence avec celui-là, c'est la période pendant laquelle je l'ai composé. Donc forcément, c'était une période très compliquée. Non, la confiance, c'est pas trop ce qui me vient à l'esprit. Non, un peu libéré, parce que dans ce cas-là, on se libère des mots qu'on peut avoir pour pouvoir aller de l'avant, en fait, hein, c'est ça, et pas revenir en arrière. Donc j'ai eu cette impression-là, surtout, c'est de me libérer un petit peu. – Alors, 80 000 exemplaires déjà vendus, vous attendiez, est-ce que ça matche ?– Franchement, j'espérais que les gens, en tout cas, puissent ressentir la même chose et faire passer les émotions que j'ai essayé de laisser comme trace sur cet album, c'est ce que j'espérais. Maintenant, dans ce métier, on parle toujours beaucoup de chiffres. Moi, c'est plutôt, on va dire, un ressenti et des sentiments que j'essaie de faire passer. Après, ça fait toujours plaisir quand ça marche, hein, forcément. Alors, on va se mettre dans l'ambiance tout de suite avec ce premier titre, « Ma dernière lettre », un clip réalisé par votre sœur, Laura Smet. Puisqu'au matin, il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir, couper l'image et le son. Mais la peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre. Ce que je n'ai jamais dit. Ce que je n'ai jamais dit. Il y a un truc dans ce clip, David Hallyday. Il s'est passé quelque chose entre vous et le loup? Ah oui, clairement, je ne sais pas si on peut le voir à l'image. Dans les yeux, si, quand même. Mais ouais, il y a un truc. Il faut dire que dans ma famille, on est très proche, on a toujours été très proche des animaux, de la nature, protection de la planète et tout ça. Donc il y a un rapport avec l'animal qui est vraiment très proche. Mais bon, un animal sauvage reste sauvage, quoi qu'il arrive, même si il tourne des pubs ou des films de temps en temps, ça reste un animal sauvage, il faut voir s'il vous accepte. Donc la veille du tournage, j'y suis allé pour voir s'il m'acceptait, et ça a été un moment d'amour exceptionnel. Carrément. Il y a eu un déclic. Et voilà, le jour du tournage a été quelque chose d'incroyable. Maintenant, ça fait une dizaine de fois qu'on se voit en dehors, où je vais le voir. Vous avez continué à entretenir ce lien? Oui. Les loups, déjà, c'est un animal qui me fascine depuis. Mais beaucoup de personnes, je pense que c'est un animal un peu mythique, symbolique, mystique, on ne connaît pas très bien. Voilà, il s'est passé un truc. Donc forcément, cette journée de tournage a été quelque chose d'assez incroyable. Alors il y a beaucoup d'amour dans cet album, hein, finalement. Il y a aussi beaucoup de transmission dans cette chanson-là, ouais. Particulièrement. Oui, c'est une chanson qui parle de transmission et de comment on résume les choses d'une façon
assez courte, finalement, pour résumer un petit peu une vie avec les gens qu'on a aimés, tout ça, ce qu'on aimerait laisser et faire passer comme message. Mmh. C'est un exercice qui est très compliqué, parce que si on pose la question à n'importe qui, c'est vrai qu'on peut en faire des tonnes et des tonnes. Sauf que là, quand il faut résumer sur quelques lignes... C'est quoi le processus, d'ailleurs? Comment ça marche? Bah, disons que ça, pour écrire la chanson, pour écrire et puis faire passer ses idées. Ben, il y a beaucoup de... En fait, moi, comme je suis compositeur et je ne suis pas parolier, je travaille toujours généralement avec des amis, des gens avec qui j'ai confiance, à qui je peux parler et avec qui j'ai bossé dans le passé. Donc Arnaud Santamaria qui a écrit cette chanson, on a eu une bonne semaine de discussion où je lui ai raconté un petit peu tout ce que je ressentais et où je lui avais... un petit peu indiqué cette espèce de le fil conducteur était voilà cette dernière lettre et donc il est parti de ça et on a écrit la chanson en même temps, en fait, pendant que je cherchais les accords et la mélodie, il écrivait les mots en même temps, un petit peu à l'ancienne, et cette chanson a été composée comme ça. Ça a été le cas pour l'ensemble de l'album? C'est-à-dire que vous avez aussi travaillé de cette manière-là, à l'ancienne Non, là, le reste de l'album, je l'ai composé tout seul dans mon studio. Et Arnaud, Lionel Florence et Julie Démé, qui sont les deux autres auteurs avec qui j'avais déjà beaucoup travaillé, sont venus après et ont découvert les titres. Et après aussi avoir beaucoup discuté avec eux, voilà, leur avoir donné des guidelines sur ce que je voulais dire. Voilà, vous avez parlé de confiance, c'est important la confiance avec les gens C'est primordial, hein, on ne peut rien faire sans confiance. Au bout d'un moment, on est obligé de lâcher aussi. On est obligé de faire confiance, même si on peut se planter après. Mais on est obligé, si on fait confiance à personne, on reste chez soi. Alors, petit rectificatif, j'ai annoncé 80 000 exemplaires tout à l'heure, donc c'est 90 000. Donc, vous voyez, en 5 minutes, vous avez vendu 10 000 albums, vous avez bien fait de venir chez nous. Ouais, c'est ça, je vois ça, et bravo. Alors, un nouvel extrait, vous extrait d'une chanson qui s'appelle Éternel, avec des artistes absolument incroyables. J'ai vu dans tes larmes couler la blancheur, mais noir sous le voile, je cherche encore ton cœur. J'ai lu ton visage, le vague, le mépris n'est pas l'état sauvage avec lequel j'ai appris. Tu peux m'empêcher de poser ma main sous son corps blessé. J'ai tout le temps de savoir enfin qu'on peut tout casser ou tout effacer. Pour tuer ceux qui s'aiment, faudrait déchirer le ciel. David Hallyday avec cette chanson Éternelle. Parlez-moi de ces trois garçons qui sont incroyables dans votre clip. Alors c'est toute une troupe, hein, ils sont plusieurs là pour ce clip. Donc ils étaient moins, mais c'est les gars qui viennent du hip-hop et qui ont un peu, qui ont transformé un petit peu, qui ont fait des mélanges et qui ont fait leur propre, qui ont créé leur propre style de hip-hop avec un petit peu le mélange avec de la danse, le langage des signes et tout ça. Donc ce qui était intéressant, c'était de voir comment on pouvait garder la puissance de cette chanson et garder l'émotion de cette chanson à travers une autre forme artistique, voir si on pouvait le faire. Et je trouve que le résultat est assez épatant. Et ce qui est incroyable, c'est de les voir travailler, parce qu'ils ont fait ça toute la journée. Ils ne sont pas plantés une fois. Quoi. C'est un truc de fou. Oui, le peu de choses qu'ils m'ont demandé de faire, moi, je me suis planté 15 fois. Alors qu'eux font des choses super compliquées. Donc, non, ils sont très, très forts. Et ça a été super intéressant de bosser avec eux. Vous parliez de mélange. C'est un peu à l'image de cet album aussi, qui est très différent. Il y a plein de rythmiques différentes, des moments très puissants, des moments très forts, des moments plus doux aussi. Oui, mais oui, ça c'est clair que ce n'est pas un album linéaire. Il y a plein de choses différentes. Il y a des thèmes très différents. Le même fil conducteur, mais des thèmes très différents, exprimés d'une façon différente de chanson en chanson. Oui, c'est clair que bon, ce n'est pas voulu. Hein. Moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas voulu réviser ma copie. C'est-à-dire que tout ce qui est ressorti au niveau des compos sont restés tels quels. Si vous écoutez les maquettes,
vous ne trouverez pas énormément de différence sur, sur ce qu'il y a en finale sur, sur l'album. En fait, j'ai pas voulu, voilà, j'ai voulu laisser vraiment à l'état brut ce qui est sorti comme ça. Et le résultat est absolument incroyable et on passe vraiment, on voyage aussi. Tout à l'heure, on était avec Emmanuel Schmitt, on voyage avec son, son livre. Ouais. Bah, vous, c'est pareil avec votre album, on le met dans la voiture, on voyage. C'est un vrai bonheur, David Hallyday. Vous serez en concert donc, alors il y a plein de dates dans la région. Le 4 mai au Touquet, le 11 à Saint-Angoël, le 12 à Péronne, le 15 juin à Saint-Quentin, le 27 juillet à Saint-Étienne-au-Mont. Vous allez donc écumer notre région. Quel rapport vous avez avec les Hauts-de-France? Bah, c'est vrai que je suis souvent venu et bah, c'est un public génial. Hein. C'est connu. Dites ça parce que vous êtes sur la télévision des Hauts-de-France ou vous le pensez vraiment? Franchement. non, je le pense vraiment. Ouais. D'ailleurs, tous les artistes le pensent. Le Nord est en général un très très bon public. Ouais, donc on aime bien revenir. C'est un public qui est expressif et qui. Non seulement à l'écoute, mais qui s'exprime. Qui vous porte, ouais, ça a toujours été comme ça. Même depuis tout petit, mes parents me parlent du. Dit ouais, on va dans le Nord, ça va carburer, ça va être génial. Donc bah, vous êtes connu pour ça aussi. Bon, bah, vous avez bien fait de venir chez nous. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette tournée? Vous l'avez déjà joué hein, à Lille, dans la région. Comment ça se passe, David Hallyday, sur scène? Ben, ça se passe. Voilà, on a créé. En fait, on a commencé cette tournée au mois de mars 2018. Donc, ça fait un moment qu'on est en tournée. On l'avait fait sur l'album précédent, Le Temps d'une Vie. Donc là, évidemment, on inclut les nouvelles chansons de l'album. Mm-hmm. Donc le show a un petit peu changé, même pas mal. Jusqu'à cet été, les festivals d'été, on changera encore. Et là, on sera plus sur vraiment cet album dans son intégralité, jusqu'à une deuxième phase de tournée de septembre à décembre. Donc, on va faire pas mal d'endroits. Bon, vous allez pouvoir profiter du public. Côté un peu assez théâtral. Oui, dans les salles plus petites, du moins pour le moment. Hein. Là, on est sur les salles plus intimistes. Absolument, oui. Ouais, pour l'instant, oui. On fera des salles un petit peu différentes à partir de septembre. Vous reviendrez nous en parler? Avec plaisir, quand vous voulez. Merci beaucoup d'être venu, David Hallyday. Merci beaucoup. Votre livre, votre album, J'ai quelque chose à vous dire, album, et donc tourner dans notre région pour profiter évidemment de cet album de David Hallyday. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On revient dans quelques instants pour la suite, après la pause.